Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, donc j'avoue que je suis complètement paumée, je sais plus comment on fait. J'ai exactement 2 traits de batterie pour vous faire ma petite vidéo de pas l'estival. Je me suis dit que j'allais vous faire cette fameuse vidéo qu'on commence à voir un petit peu partout et que tout le monde fait en même temps. J'avais envie de faire le mouton, voilà. Parce que j'avais envie de filmer, j'avais pas spécialement d'idée non plus. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Donc je vais vous montrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 romans que j'aimerais bien lire cet été. Et je vous montre que des romans. Je vous montre que des romans parce que si je me mets à la BD ou au manga, on n'a pas fini. Hein, vu que je suis libraire, il y en a partout, tout le temps. Je commence avec les formats poche. Parce que... J'aimerais bien découvrir cet été. Alors c'est pas un poche, celui-là c'est un médium poche. Calpurnia. Un roman de Jacqueline Kelly qui est paru chez l'école des loisirs. Voilà, il ressemble à ça. Pour vous la faire courte, c'est un peu dans la vibe Anne des Pignons Verts, sauf que là on est au Bayou, au 18e ou 19e siècle, au 19e, fin 19e siècle exactement. Et voilà, on va suivre une jeune fille qui est la seule fille d'une fratrie de 6 frères et qui est en fait intéressée pas par tout ce qui est tenir la maison, la couture, machin, elle qui l'intéresse est d'étudier les insectes et l'aspect un peu scientifique de la nature, ce qui va la rapprocher de son grand-père. Et voilà, je connais le résumé parce que j'ai lu la version BD qui est en 2 tomes et que j'ai trouvé vraiment très très chouette et très jolie, et j'ai toujours voulu lire le roman d'origine qui est assez gros. Quoique, il n'y a pas tant de pages que ça en vrai, on dirait qu'il y en a énormément, mais il y en a, ah si quand même, presque 500. 492 pages, c'est quand même assez gros, mais ça va. Pour un poche, ça passe un peu mieux. Puis je pense que ça va se lire assez rapidement, enfin j'ai l'impression en tout cas. C'est vraiment un des romans qui est le plus dans le mood estival, je trouve. C'est ma Wapi qui m'avait offert dans le cadre de notre petite challenge de l'amitié littéraire qu'on a fait en 2021. Et j'arrive presque au bout des livres qu'elle m'a envoyés. Je les ai presque tous lus, il me manque que ceux que je vais vous montrer dans ma palle estivale parce que j'ai gardé que ceux-là, je crois, pour cet été. Et aussi des contes macabres que là, je me garde pour Halloween. Donc je pense qu'à la fin de l'année 2022, normalement, je vous fais un bilan de ce challenge. Bref, c'était Calpurnia. Et ensuite, toujours du challenge de Mawapi, un roman qui m'inspire également un mood très estival, Grandir un peu, de Julien Rampin. Elle en a 1000 fois vanté les louanges sur sa chaîne, sur les réseaux, machin, donc j'avoue que j'ai très hâte de me plonger dedans et de découvrir, voilà, qu'est-ce qui l'a enchanté là-dedans. A priori ambiance, personnage, voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire. En plus, pour le coup, lui, il est vraiment pas très gros. Et ça, ça fait du bien, parce qu'en ce moment, j'aime bien lire des livres qui font genre 300 pages max. Et je vous fais pas le résumé, parce que j'ai pas envie de vous lire les résumés. Si jamais il y a des livres qui vous intriguent, allez voir les résumés sur internet, ou alors si vraiment j'ai la foi, je vous mets des liens en barre d'infos. Mais voilà, moi je préfère vous faire des résumés des livres une fois que je les ai lus pour mieux en parler, mais... Ou alors parfois j'en fais des rapides juste pour montrer ce qui m'a attiré dans ce livre. Et là pour le coup c'est vraiment que c'est un cadeau et c'est plutôt la critique de la personne qui me l'a offert qui m'intrigue. Le troisième livre que je vais découvrir cet été c'est Ce monde qui est le mien, qui fait partie de la collection Twisted Tales chez Hachette, qui a été écrit par Jane Calonita, à qui on doit déjà la version Twisted de La Reine des Neiges que j'avais... J'ai lu 50 pages quoi et j'ai abandonné. Celui-là, je voulais absolument absolument le lire parce que ça parle de Megara et vous savez peut-être que Hercule déjà c'est un de mes Disney préférés et Megara c'est clairement une de mes héroïnes mes préférées que j'ai trop dans mon cœur. Donc forcément je voulais lire ce bouquin, mais je vous avoue que depuis la hype est vachement redescendue parce que j'ai des amis qui l'ont lu et qui m'ont fait un résumé. Je leur ai dit allez-y spoilez-moi, vraiment. Ça a l'air un peu catastrophique, voilà. Après, il y a quelques personnes qui ont l'air de l'avoir trouvé sympa, donc écoutez, je verrai bien. Disons que c'est des amis avec qui j'ai vraiment beaucoup de goût en commun, donc j'ai peur de penser à peu près la même chose. On verra si j'arrive à passer un bon moment avec celui-là et peut-être à passer à côté de ses défauts. Suspense. Ensuite, j'aimerais bien découvrir un nouveau Ogawa Ito, La papeterie de Tsubaki, publié chez Piquier. Au début, je voulais me le garder peut-être pour l'hiver, voilà, une petite romance mignonne et tout pour l'hiver, mais au final, ce genre d'histoire, ça marche aussi l'été. En plus, ouais, il est un peu gros celui-là, mais j'ai pas mal aimé celui que j'ai lu d'elle, Le restaurant de l'amour retrouvé. Et franchement, si c'est dans le même mood, ce dont je ne doute pas à mon avis, je pense que je vais passer un bon moment et que ça va vraiment me faire une bonne lecture de l'été, quoi. Il est décrit comme poétique et envoûtant, et le premier déjà c'était un peu dans la même vibe, c'était pas mal de feel good, mais en même temps des passages peut-être un peu durs, assez émouvants, mais qui permettent voilà, d'avoir un petit recul sur notre existence et sur notre façon de voir le monde. Donc voilà, c'est du feel good à la sauce littérature japonaise, je dirais. Je me rends compte que je vais vous montrer mes poches, mais je me suis emballée et je vous ai montré des grands formats. C'est pas grave, je me suis pas écoutée. Ensuite, j'aimerais bien lire
au moins un des trois romans Gallmaster qui sont dans ma palle. Peut-être pas les trois, mais au moins des trois, comme je vous disais. Premièrement, le fameux roman Betty de Tiffany McDaniel, qui a fait beaucoup parler de lui et qui me fait énormément de l'œil depuis sa sortie. Cette version poche est tout simplement sublime, j'adore la couverture et l'histoire a l'air vraiment super chouette. Pour le coup, c'est un gros pavé de presque 700 pages, celui-là. J'espère que j'arriverai à le lire. Si c'est pas lui que je lis, ce sera peut-être My Absolute Darling de Gabrielle Talent, voilà, qui lui, pour le coup, on est plutôt dans les moins de 500 pages, peut-être plus faisable par rapport à mes capacités de lecture actuelles, même si j'avoue que sur le moment, là tout de suite, Betty me fait un peu plus envie. Et le dernier, c'est Le jeu de la dame de Walter Tevis, le roman qui a inspiré la série sur Netflix. Celui-là, j'avoue que je suis pas sûre de lire cet été, je l'ai pris parce que voilà, mais je pense que je vais peut-être plus me le garder pour cet automne-hiver, je sais pas, il m'inspire plus un mood hivernal. Je saurais pas vous dire pourquoi exactement, mais bon, peut-être que cet été j'aurai peut-être envie, on verra bien. Cet été, j'aimerais bien découvrir un classique de la littérature pas si vieux que ça, qui s'appelle Lolita de Vladimir Nabokov. Un livre qui a fait pas mal polémique, j'allais dire. C'est plus le film qui a fait polémique que le livre, il me semble. Mais en tout cas, voilà, qui est assez spécial dans son traitement de l'histoire et des personnages. Et enfin, qui aborde un sujet, entre guillemets, en tout cas des états d'esprit assez particuliers. Mais je pense que si c'est bien écrit, bien traité, ça peut être vachement intéressant. J'ai envie de le découvrir. Et enfin, partons un peu vers le young adult. Peut-être que cet été, je dis bien peut-être, parce que pareil, peut-être que je vais me le garder pour cet automne, cet hiver, ou voire même plus. Peut-être que je me lancerai dans The Mortal Instrument, Les Origines, voilà. Je suis une grosse fan de la saga principale La Cité des Ténèbres, de Cassandra Clare. Même si c'est une série qui a ses défauts, voilà, et qui est peut-être un peu gentillette sur certains trucs, mais franchement, l'univers, les persos, la vibe, moi j'adore. Et il paraît que la série d'origine, elle a pas mal évolué Cassandra Clare dans son écriture quand elle l'a écrite, et que c'est encore mieux que la série principale, donc écoutez, franchement, si on me vend du mieux que The Mortal Instrument, clairement je prends. Autre poche que j'aimerais lire cet été, c'est le troisième tome de L'été où je suis devenue jolie. Je l'ai pas avec moi parce que je l'ai toujours pas acheté. Je vous l'ai déjà dit, je crois, mais j'ai lu cette saga il y a maintenant peut-être 3-4 ans que j'ai lu le tome 2. Ça commence à remonter et en fait, je me suis toujours dit que je me garderais le tome 3 pour le jour où je retournerai en bord de mer, vu que le tome 1 et le tome 2, je les avais achetés à un an d'intervalle quand j'étais en vacances au bord de la mer. Donc c'est un peu un effet psychologique de cause à effet, je veux pas le lire tant que je suis pas au bord de la mer. Mais comme cet été, je dis bien peut-être, je vais partir voir des amis en Bretagne, peut-être que du coup je verrai la mer, je sais pas vers où ils habitent, mais on va dire qu'il y a plus de chances qu'ici en tout cas. Donc voilà, et puis en plus il y a le film qui est sorti sur Prime Video, qui est adapté des trois romans, et du coup ça me motive encore plus à enfin lire ce fameux tome 3, et puis c'est vraiment une saga que j'adore, une de mes sagas ado préférées. J'adore la plume de Jenny Han. Et sa subtilité dans les personnages et dans le ton. Les quatre derniers livres, là on passe sur des grands formats. Je pense que là c'est le plus estival que j'ai sous la main, c'est Souvenirs de Marnie. Donc je retarde la lecture depuis un an puisque je voulais absolument me le garder pour la période estivale. Et là c'est sûr que ça va être enfin son tour, il va sortir de ma palle. Obligatoirement. Et mais oui, bien sûr, je suis bête, attendez, bougez pas. J'ai failli l'oublier, mais évidemment, le tome 5 d'Anne de Green Gables, Anne dans sa maison de rêve, va forcément y passer aussi cet été avec mes copines Wappy et Mad Girl Little Book. On va encore faire une lecture commune, je pense, dessus. C'est une de nos petites sagas chouchoutes. Et voilà, forcément, regardez-moi cette merveille, je vous le remontre parce qu'on ne se lasse pas de la beauté de ses couvertures. Donc deux jolies Toussaint l'ouverture que je me garde pour cet été et que j'ai trop hâte de lire. Et je pense que vous le savez, mais je le répète au cas où vous serez passé à côté, Souvenirs de Marnie, c'est le roman qui a inspiré le film des studios Ghibli du même nom, qui a été réalisé par Hirosama Yonebayashi, si je me cours pas, qui a fait Arrietty entre autres, qui est un de mes Ghibli préférés, voilà. En littérature contemporaine, j'ai un roman que j'ai dans ma palle depuis des années et que j'ai toujours pas lu, ça s'appelle Hippie, et c'est de Paolo Coelho. Je n'ai jamais lu de Paolo Coelho, donc je sais pas ce que ça donne, sa plume, ni rien machin. Mais à l'époque, je l'avais acheté parce que ça parlait de la période hippie des années 70, etc. Et que c'est une vibe que j'aime bien. En plus, je crois que c'est un roman plus ou moins autobiographique. Ouais, c'est ça. J'aimerais aussi découvrir enfin le fameux Fleur d'Oco de Laetitia Danae, qui est sûrement un des plus jolis livres de ma pile à lire. J'adore cette couverture.
que j'ai acheté l'été dernier mais que j'avais pas eu le temps de lire, et puis une fois l'été passé je me suis dit que je me le garderais pour l'été prochain parce que clairement la vibe fait très estivale. Il me semble que c'est inspiré de contes ou de mythologie africaine, donc c'est ce qui m'avait attiré de base dans cette histoire, ainsi que le résumé qui vendait, voilà, une héroïne assez badass. Et voilà, franchement, et puis la couverture est trop belle, j'avais entendu de bons retours sur l'autrice, pas spécialement sur celui-là je crois, enfin je dis pas que j'en ai entendu des mauvais du coup, mais j'ai pas entendu trop d'avis tourner dessus. Mais j'ai déjà entendu parler de Laetitia Danaé en bien, donc voilà. Et le dernier livre de ma palle estivale, qui va, je pense, lui, obligatoirement y passer, ce sera One Last Stop de Casey McIntosh. C'est une romance lesbienne entre deux femmes, et c'est surtout pour ça que j'ai envie de le lire. J'avoue que sinon, le résumé, si c'était une romance hétéro, m'aurait pas forcément attiré. Et d'ailleurs, en parlant de Casey McQuiston, pardon, j'ai écorché son nom tout à l'heure, je viens de lire, enfin... je viens, il y a peut-être 3 semaines, 1 mois, My Dear Fucking Prince. J'en reparlerai sûrement dans un avis lecture si je suis motivée à en tourner un. Mais c'était pas aussi bien que ce que j'avais espéré, surtout au niveau de l'écriture, à vrai dire. C'est peut-être ça qui m'a... enfin, pas l'écriture, mais le vocabulaire. Et aussi, il y a des moments qui sont pas très intéressants. Enfin, c'est un roman, je crois, qui fait presque 500 pages. Et je trouve que pour une romance contemporaine, 500 pages... enfin, on pouvait en enlever une centaine, voire 200. Quoi. Mais j'ai quand même passé un bon moment, finalement. J'ai eu un peu peur de passer à côté de la lecture, mais la fin a su plutôt bien me convaincre, et aussi la romance, on va dire. Ça a fini par me toucher. Donc comme c'était un peu le truc principal pour moi dans ce bouquin, je considère qu'il a plutôt fait son job, malgré ses quelques défauts. Mais bref, comme je vous l'ai dit, je vous en reparlerai certainement plus tard. En attendant, celui-là me fait quand même vachement envie, même si je redoute un peu, du coup, je suis un peu moins hypée qu'avant, ayant lu maintenant My Dear Fucking Prince. On verra si l'écriture est aussi... si c'est la même chose quoi au niveau du vocabulaire et tout ça, ou si c'est un peu plus subtil, on verra bien. Bref, exploit, j'ai réussi à tourner ma vidéo et j'ai encore de la batterie. J'espère que cette petite palle vous a plus. Écoutez, si vous avez des choses de ma palle que vous avez lues et que vous me recommandez de lire en priorité, n'hésitez pas à me dire, comme ça je saurai lesquelles lire en premier. Et sur ce, bah écoutez, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve très bientôt, j'espère, pour de prochaines vidéos sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite aussi de bonnes lectures. Ciao.